Voilà un de mes sacs de maquillage. J'aime quand c'est propre et bien rangé. L'hygiène, c'est très important. Charity, Tiggy et Prince JJ font partie d'une nouvelle internationale qui veut révolutionner les nuits européennes. Pour ces créatures nocturnes, le genre, c'est de la préhistoire. Et plutôt que de se faire la plus belle pour aller danser, les Club Kid Drags font souffler un esprit bon enfant dans le clubbing qui, selon eux, a laissé la fantaisie au vestiaire. J'ai des tripes, au cas où, des intestins. Je crois que j'ai eu pendant très longtemps envie d'être prof des écoles. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout les enfants. Du coup, je me suis arrêté. Et j'ai décidé d'en devenir un moi-même. Adepte de la transformation non-genrée, les Club Kids, c'est un peu le stade suprême de la drag queen. Souvent de sexe masculin, ils revendiquent de ne plus ressembler à rien. Leur bac à sable, les clubs comme le Egg à Londres. Depuis 2016, tous les deux mois, ces oiseaux de nuit migrent aux soirées Berlin Berlin et ouvrent les portes de la volière à tous. Fétichistes, fans de kawaii, drag queen, queer de tout poil ou monsieur et madame tout le monde sont les bienvenus, car ici, aucune tenue correcte n'est exigée. Les Club Kids, pour moi, c'est comme une image de ton intérieur que tu projetterais à l'extérieur. Je m'appelle Étoile de Merde. Est-ce que tu veux savoir d'autre ? Ce que je retrouve dans l'esprit Club Kids, c'est un côté plus artistique et qui va au-delà du genre, va presque dans le trans-espèce. Moi, je me définis plus comme un clown poussiéreux. À Paris, Thibaut, alias Tiggy Sorn, est le grand Manitou des Club Kids Froggies. Bébé, ça va ? Avec son ami Hugo, dit Marmosette, Ouistiti dans la langue de Shakespeare, Tiggy organise les soirées Kindergarten, jardin d'enfants dans la langue de Goethe. Fan de masques africains et de kawaii japonais, Tiggy se métamorphose en créature depuis 3 ans. Chaque maquillage lui prend près de 4 heures. Mon intention, c'est d'avoir un choc un petit peu avec les personnes que je rencontre en club, les personnes que je rencontre en soirée, et qui voient Tiggy. C'est que ils n'ont pas forcément le besoin de se dire « Ah, c'est un garçon, ah, c'est une fille », ou « Pourquoi il fait ça ?» C'est juste se dire genre « Qu'est-ce qui est en train de se passer devant moi ?» Il y a énormément de types de drag queens qui sont très définis, alors que dans les Club Kids, il y a une espèce de vague extrême, en fait, qui est une espèce de masse informe qui fait que... ça laisse libre choix à tout le monde de faire un peu ce qu'il veut. C'est pour quelle partie de ton corps ? Mais regarde ça, tu vois, c'est super ingénieux. Tu l'enfiles comme ça. Là, il y a des manches. Tu vas voir, c'est du gym. Ensuite, tu as un petit pareil. Voilà. Super. Tu manques que le maquillage. Ouais. Faut admirer la qualité du tissu. C'est pas joli, c'est pas bien fait. Il faut savoir que je sais pas vraiment maquiller, que je sais pas coudre, que je ne performe pas, mais j'essaie quand même. Quand j'essaie de penser à un look de Marmosette, bah je regarde des rideaux de douche, des couettes, des peluches, des vases, n'importe quoi. Je le mets sur ma tête ou je le mets autour des épaules et je me dis bah tiens, ça va le faire. Ça, je crois que c'est sincèrement la meilleure idée que j'ai eue. J'ai fait un enfant avec ma main. Ah non, les filles, j'ai cassé mon talon. Super fit. Diplômée en école de commerce et titulaire d'une licence de philo, Marmosette, avec son costume qui lui va comme un gant de toilette, s'assure que tout roule comme sur des roulettes pour cette 9e édition de la Kindergarten. Super, 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 super fit.
Depuis 2017, à Paris, le terrain de jeu des Club Kids est amarré aux berges de la Seine, à Petit Bain, avec toujours la même règle, prière de laisser les convenances à l'extérieur. Les personnes qui se revendiquent des communautés queer, c'est des personnes qui ont expérimenté dans leur vie une mise à l'écart. Et le propre de la fête queer, c'est d'une certaine manière assumer un peu ça et dire « Ok, on est bizarre, allons-y jusqu'au bout » et exprimer vraiment cette bizarrerie. Parce que fondamentalement, c'est peut-être la meilleure manière de faire chier ceux qui nous aiment pas en tant que personnes queer, de pousser la blague jusqu'au bout, entre guillemets. Pour les Club Kids, tout commence en 87 avec la mort du pape du pop art, Andy Warhol. Une fois disparu le grand gourou des nuits new-yorkaises, une nouvelle tribu envahit les dance floors. Surlookés et vivants à 100 à l'heure, ces autoproclamés Club Kids organisent des soirées flamboyantes jusque dans les boutiques de donuts, les fast-foods et même le métro. À l'époque, leurs frasques font les choux gras des talk-shows américains. L'idole de ces Club Kids, c'est le performeur australien Lee Bowery, qui chamboule le monde de la mode et des nuits londoniennes jusqu'à sa mort en 94. Modèle pour le peintre Lucian Freud, surnommé œuvre d'art moderne sur pattes par son ami Boy George, Lee ne se fixe aucune limite. Comme ici, quand il accouche de sa propre femme en public. Mais pour ce gang de nightclubbers, tout s'écroule en août 96, quand leur leader, Michael Alig, commet une petite bourde lors d'une interview télévisée. I killed Angel and that's the kind of thing that gets me in trouble. Le Colombien Angel Melendez, c'est le coloc d'Alig, mais surtout le dealer des Club Kids, qui vivent alors leur descente aux enfers. Tandis qu'Angèle est portée disparue depuis mars 96, on découvre que Michael Alig l'a massacré avant de le démembrer et de jeter ses restes dans l'Hudson River. Arrêté, Alig est condamné à 17 ans de prison. Il en sort en 2014 et sa vie est portée sur grand écran dans le film Party Monster. J'adorais ce qu'il faisait à l'époque. Party Monster, le film était marrant, intéressant et inspirant. Mais visiblement, il a merdé en tuant ce type. C'est naze. Il a toujours été sympa avec moi. Il m'a appelé quand j'ai monté mon truc. Il avait l'air super content. C'est triste qu'il ait pété un câble. I am Jason, also known as Prince JJ, Superstar Club Kid, International DJ and artiste. Ancien étudiant en école de stylisme, Prince JJ tombe dans la marmite Club Kids en 2014. Performeur et DJ, le londonien de 26 ans, qui ne se départit jamais de sa couronne, vit aujourd'hui de ses activités nocturnes. Je ne peux pas imaginer me lever à 6 heures du matin pour aller bosser en costume. Ça serait si bizarre. À 22 ans, Harry Whitfield, alias Charity Case, postule au titre du plus horrifique des Club Kids. Fasciné par les méchants des dessins animés, le performeur et styliste installé à Londres, mais originaire d'un village proche de Manchester, commence par se travestir en Cruella à 17 ans. Avec son ami photographe Jordan, lui aussi Club Kid Drag, le duo improvise un shooting photo dans la salle de bain de Charity. Je viens d'une petite ville et j'étais le seul à être tout sauf normal. J'étais homo et je ne le cachais pas. Je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû. Toutes ces choses négatives que j'ai vécues durant l'enfance, à l'école, je les ai endossées. Et elles nourrissent le personnage sombre que j'ai créé. «
Un serpent qui descendrait de la douche et Case là devant, ce serait le top. Mais on n'a pas de serpent. Eh non, on a un petit budget. En 2017, Charity Case se fait remarquer en postant chaque jour pendant un an une photo de lui adoptant un look fantasque. Depuis, le caméléon aux 500 visages utilise les réseaux sociaux comme une galerie d'art digitale et compte plus de 60 000 followers. Son autre spécialité, des striptease d'un nouveau genre. Il y a quelque chose de beau dans le fait de passer des heures à te rendre horrible. Je ne veux pas être une jolie fille. Je veux être un alien, débarqué de Mars. Le monstre sorti de ton cauchemar ou la fée de tes fantasmes. Ça ne sera jamais entre les deux, ça sera toujours l'extrême. Aussi loin qu'on puisse aller, je le ferai.